Cette semaine au cinéma des vacances au Portugal, l'histoire ressurgit des hommes et des poulets, elle et Isabelle Huppert, et le blizzard arrive au cinéma. Lisbonne, dans des familles sans histoire. Rita et Sarah, 15 ans, partagent leurs vacances. La rencontre de son nouveau voisin, Philippe, enflamme la jolie Rita d'un désir violent. Little man, close your eyes and go to sleep if you can. É giro, não é? É assim um bocadinho spooky. Bob, avec Marge, j'ai visité Buchenwald, le camp. Au musée, j'ai vu une photo, la photo d'un médecin, un SS. Et sur la même photo, derrière lui, il y avait un déporté qui... Ouais. Quoi? Non, rien, c'est... Il te ressemble. Mais tellement... C'est fou, les ressemblances, hein. Avec l'origine de la violence, Elie Chouraki nous raconte l'enquête d'un jeune professeur sur l'histoire de sa famille suite à la découverte d'une photographie d'un détenu de camp de concentration dont la ressemblance avec son père le stupéfie. Mais non, vous ne savez rien. Rien de David, rien de Virginie. Qui est cette très séduisante jeune femme? Gabi, mon grand-père Marcel. Enchantée. Dans ma famille, presque tout le monde était nazi. Je suis l'héritière de cette horreur, de cette culpabilité. Toutes les familles ont leurs secrets. Ça n'empêche pas de vivre. Si. Maman! Mon père a voulu tout le cacher, mais il m'a tout transmis. Je veux écrire son histoire. Mais es-tu sûr et certain de vouloir entendre ça? La violence était tapie dans les silences de mon père. Pourquoi est-ce que tu m'en as jamais parlé? Pourquoi silence, là? Parce qu'il était juif? Parce que t'avais honte? Mon père s'appelle Marcel Fabre. On peut tout supporter. La faim, le froid. Je peux te raconter en détail toute la vie de David Wagner, heure par heure. J'en sais plus sur lui qu'il n'en a jamais su. Mais la peur est insupportable. Tais-toi! Tu crois tout savoir et tu dis n'importe quoi. Et allô, ben Manalou? T'es Gabriel. Fateux. Gabriel og Elias. Jeg er ikke jeres biologiske far. Jeres rigtige far hed Emilio Tannersos. La nouvelle création du fantasque réalisateur danois est l'histoire de deux frères, Elias et Gabriel, qui découvrent à la mort de leur père qu'ils ont été adoptés et que leur père biologique est un généticien qui travaille dans le plus grand secret sur une île mystérieuse. Ils décident de partir à sa rencontre, mais une fois sur place, ils vont découvrir une fratrie étrange et des origines inquiétantes. Jamen, der er slet ikke nogen af dem, der har den samme mor. Selvfølgelig er alle sammen ikke døde i barselsseng. Har I overhovedet noget, haft nogen uddannelse? Bedre det æsling, men det er jo sådan lidt derinde, kan man sige. Men jeg vil gerne tale med vores far nu. Evelio? I må ikke fortyre ham. Der er et eller andet fuldstændig galt her. Elias, så er det nu. Hvis du rører fars ting en gang til, så rører du direkte i buret. Er det forstået? De hører til at få et hospital. Du kan sgu da ikke bare sådan stikke af fra din familie. Der skal ske nogle forandringer nu. Hvor er det rart at se, at I har fundet ud af et drenge.
Nu bruger vi så ikke penge på psykolog i vores familie. Vi slår fejl. Det er fandme godt. Tak. Er det kælderen, hvor far lavede sin forskning? Fordi der må vi gå ned. Hvad fanden foregår? Det er jo alt sammen tosset op i hovedet. Ja, det ved jeg godt. Men vi er dine brødre. À la tête d'une grande entreprise de jeux vidéo, Michel gère ses affaires comme sa vie sentimentale d'une main de fer. Sa vie bascule lorsqu'elle est agressée chez elle par un mystérieux inconnu. Inébranlable, Michel se met à le traquer en retour. Un jeu étrange s'installe alors entre eux. Il faut changer toutes les serrures, en haut et en bas. J'ai quelque chose à vous dire. Violée ? Mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit les flics ? Pas été les voir. Bon, on commande. J'ai pris sur le vif. Il était accroupi dans un buisson en train d'observer votre maison. Et vous avez vu son visage ? Non, il portait un masque ou une espèce de cagoule de ski. Tu la raccompagnes ? Ouais. Non, c'est pas la peine. C'est joli ton truc, là. Tu vas au ski ? Quand tu veux, je t'emmène. On devrait être encore ensemble. C'est de ta faute. Tu m'as quitté, Michel. Tu m'as frappé. C'est pas la première fois qu'il se manifeste. Tu pirates les ordinateurs perso de tous les employés. C'est grave comme infraction. Mais il y a un fou qui rôde. Non mais les fous, j'ai l'habitude. C'est ma spécialité. Tu t'es bien foutu de ce que je pouvais penser, hein. J'étais dans un déni étrange, mais maintenant j'y vois clair. La plus dangereuse, Michel, c'est tout de même toi. For years, our world has been at peace. But something is coming. L'adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo de Blizzard nous raconte la guerre entre deux mondes. De côté opposé, deux héros vont s'affronter et décider du sort de leur famille, de leur peuple et de leur patrie. Find these beasts, or whatever they are. Our world is dying. There is nothing to go back to. If our people are to survive, we must make a home here. Whatever happens. If we do not unite, our world will perish. This doesn't need to happen. There is one who may help us. For orcs, there is no other life but war. No, but with the humans' help, there could be. Why are you here? To save our people. Can we trust him? They're beasts. They should all be destroyed. Are you sure about that? We'll protect the kingdom. You and I. You'd side with the humans against your own kind. This is suicide. We have no choice. We should attack with full force. Whatever you plan to do, do it now!